Yaolana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous allons très rapidement présenter les règlements européens, autres normes de droit dérivé de l'Union européenne. Le règlement européen est une véritable loi européenne adoptée par le législateur de l'Union, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen. Il a une portée générale et est obligatoire dans tous ses éléments, sur la base de l'article 288, alinéa 2 du TFUE. En conséquence, les États membres ne peuvent pas modifier la portée d'un règlement ou ajouter à ses dispositions. Il est directement applicable dans tout État membre. Son application n'est donc pas subordonnée à aucune mesure de transcription dans le droit national. Le règlement est en effet d'effet direct. Cela signifie d'une part qu'il ne peut être interprété par les États membres. En cas de doute ou de litige, seule la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour interpréter un acte communautaire et contrôler sa légalité. D'autre part, cela signifie que les États membres doivent faire preuve de loyauté et ne peuvent en conséquence prendre des décisions qui affecteraient l'application des règlements européens. L'effet direct ne peut ainsi pas se voir judiciairement opposer un texte législatif de droit interne sans que soit compromis le caractère essentiel des règles communautaires. Enfin, l'effet direct du règlement européen signifie que les États membres doivent prendre les mesures appropriées, y compris sur le plan budgétaire et dans un délai raisonnable, pour que les règlements soient exécutés et qu'ils doivent sanctionner les violations du règlement. Et voilà, nous en avons terminé avec cette brève présentation des règlements européens. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parhe aner!